Bonjour et salut à tous, c'est Wendy et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et un nouveau let's play surtout sur le jeu donc Banjo-Kazooie. Oh, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai commencé par bonjour. Comme ça, je sais pas pourquoi. Donc on se retrouve donc sur Banjo-Kazooie, donc jeu développé par Rare et édité je crois à l'époque par Nintendo si je me trompe pas. C'est sorti en 98 sur la Nintendo 64, donc la N64. Et donc, comme vous devez le voir, là, nous ne jouons pas à la version N64, nous jouons à la version Xbox 360 ou Xbox One, parce que là, je suis sur Rare Replay, en fait. Et donc, voilà, donc on va repartir sur un tout nouveau let's play après Mystic Quest Legend, donc un let's play un peu plus, bah sur un jeu un petit peu plus récent, sur un jeu en 3D. Et donc on va lancer, je vais lancer le jeu. Donc j'espère que ce nouveau let's play vous plaira. Je sais qu'il y a quelques personnes qui aiment beaucoup ce jeu, dans ceux qui me suivent, parce que déjà dans ceux qui me suivent et dans mes amis, il y a un grand grand fan de Rare, de Rareware. Et donc je sais que Banjo-Kazooie, ça fait partie de ses jeux préférés, je pense, si je me trompe pas. Et donc, comme vous voyez, hein, sur cette version, j'ai une partie que j'ai pas finie à 100%, bah, j'ai même pas fini en fait. J'avais joué, mais j'ai pas eu le temps de la finir. Mais donc, ce let's play, j'espère que je vais y arriver. Normalement, je pense que je vais le faire, hein, parce que c'est ce que j'ai dit. Je le ferai à 100%, donc on verra tout, normalement. Et donc, pour faire un petit coucou à Zephyr, je vais faire comme lui, je vais prendre la dernière partie, donc la troisième partie possible, donc avec un banjo qui joue à la Game Boy. Et donc c'est parti, donc on est parti pour la première cinématique. Donc je vais parler hein, pendant les cinématiques parce que vu que les personnages, il n'y a pas de voix, c'est moi qui va parler, qui va lire les dialogue, donc si je galère un petit peu, si je fais des lapsus, je m'excuse par avance. Parce que c'est vrai que bon, il y a beaucoup de dialogues, et c'est en plus des dialogues assez comiques. Dis-moi, Chaudron, pour me plaire, qui est la plus belle des sorcières? C'est Grunty, sans aucun doute. Sa beauté chaque jour me déroute. Tu as raison, tu as du goût. Mon corps les rend tous fous. Il y a aussi cette fille. Que dis-tu? Je ne te crois pas. Personne n'est aussi belle que moi. C'est Tutti, jeune et gentille, la plus belle de toutes les filles. Non, non et non, il y a Maldon. Elle est moche et moi, je suis bonne. Vous serez de mon avis, elle est super jolie. C'est ce qu'on va voir, nom d'un pétard. Donc voilà, donc là c'est un petit peu les dialogues. Alors, je sais pas si je les lis ou pas, je vais les lire sûrement, hein. Même si ça fait un peu bizarre de lire des dialogues comme ça. Bonjour Tutti, que vas-tu faire aujourd'hui? Quand mon grand frère paresseux sera réveillé, nous irons faire une belle balade. Donc voici Banjo. Donc normalement on va avoir aussi Kazooie, hein, qui est donc l'oiseau. Debout, moi aussi je veux faire une balade. Tout y est belle, ça ne va pas durer. Bientôt ses charmes, je vais voler. C'est ton frère là-bas? Où ça, la taupe? Je ne le vois pas. Dans le ciel. Je ne crois pas. Qui est-ce?
Viens par là, mon petit chat, moche et grosse, bientôt tu seras. Lâche-moi, grosse vache! Laisse-toi faire, ne bouge pas, de tout mon grain, tu hériteras. Donc vous voyez que Grunty, elle fait des rimes. Hein. Oh non, Tutti a été enlevé, quelqu'un, au secours! Banjo, réveille-toi, maintenant! Qu'y a-t-il, Kazooie? Donc Banjo, un gros paresseux. Sortons vite, il y a un problème! Alors, excusez-moi, je vais faire une petite pause de quelques secondes et je reviens. Et moi, me revoilà. Et donc, c'est parti pour le jeu. Donc après cette introduction où on a donc vu que Tutti s'est fait enlever. Bonjour mon ami, mon nom est Bottles, la petite taupe. Moi c'est Banjo, et voici mon ami Kazooie. Elle a une drôle de trogne, ta copine. Elle sait parler? Mieux que toi, gros bigleux. Que s'est-il passé? Où est ma sœur, Tutti? Gruntilda, la sorcière toute laide, est descendue du ciel et l'a enlevée. Du calme, petit, on s'en occupe. Par où est-elle partie? Elle s'est envolée vers sa tanière. C'est super dangereux dans le coin. Vous avez besoin de vous entraîner avant d'y aller. Appuie sur A si tu veux apprendre les mouvements de base du jeu ou sur B pour te passer de mon aide. Alors, pour la vidéo, donc pour le let's play, je pense que je vais faire l'entraînement. Non, mais please, t'es pas obligé de me refaire le blabla à chaque fois. Nous avons besoin d'aide, Bottles. Que devons-nous faire? Explore les environs et cherche mes taupinières. Je marche à côté d'elle et appuie sur X pour m'appeler à tout de suite. Donc, je passe un petit peu les dialogues vite. Parce que c'est vrai que les dialogues, si on les on les laisse de base sans appuyer sur le bouton A, ils sont assez longs. Et j'aimerais minimum faire toute la partie tuto dans cette vidéo. Il y a quelqu'un? Voyons tout d'abord les mouvements de caméra. Utilise le stick analogique droit. Tout ça n'a rien d'extraordinaire. Attends de voir ça, sale piaf. Appuie légèrement sur la gâchette haute, droite ou gauche pour placer la caméra derrière Banjo. Super, c'est tout? Non, appuie longuement sur la gâchette haute, droite ou gauche et la caméra restera derrière tes petites fesses. Allez, rejoins-moi à la prochaine taupinière. Donc voilà, donc là en fait on nous a expliqué juste que voilà, on peut se déplacer, on peut déplacer la caméra en appuyant sur la gâchette. Alors c'est, j'oublie toujours, c'est RBLB sur 3-6 et sur 1. On peut en fait mettre la caméra derrière nous, comme ça. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, je peux sauter, mais je saute pas très haut. Donc ça, on va l'arranger tout de suite. Hein. Alors, dis-moi, tu ne sautes pas très haut. Les taupes savent sauter, peut-être? Ouais, maintiens la touche A pour sauter plus haut. Donc là, en fait, voilà, maintenant, on peut vraiment faire un saut. Allez, tête de plume, aide ton copain. C'est un ordre. Saute, puis appuie sur A une fois en l'air pour faire un double saut. Donc là, vous voyez, on ne peut pas du tout bouger, hein. On est obligé de faire ce qu'il nous dit. Donc voilà, donc le double saut qui n'est pas vraiment un double saut, je trouve. Bon, on peut se casser maintenant? Pas encore, voici une technique importante. T'as pas autre chose à faire? Te chercher une copine, par exemple? Très drôle. Appuie longuement sur la gâchette droite ou gauche et appuie sur A pour faire un flip-flap. Donc en fait, quand on appuie sur la gâchette, donc c'est RT, LT, on s'accroupit et avec A, on peut faire un flip-flap. Tu connais maintenant tous les sauts. Entraîne-toi. Donc là, en fait, chaque zone d'entraînement va donc en fait nous apprendre à utiliser un petit peu nos techniques. Donc vous voyez, en fait, le saut de base, vous voyez, il saute quand même vachement loin. Mais on peut aussi utiliser donc Kazooie pour augmenter la portée de notre saut. Et donc là-bas, nous avons une alvéole vide, normalement. Donc là, on utilise le flip-flap. Donc l'alvéole vide, quand on en a 6, vous allez voir, ça veut le dire, je suis une alvéole supplémentaire. Trouve 6 alvéoles et ta barre d'énergie sera plus grande. Donc en fait, quand on obtient 6 alvéoles vides, ou supplémentaires, comme il dit, et qu'on en a 6, eh bien, on augmente notre barre de santé maximale.
Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là-bas, je vais aller chercher une petite vie. Je sais pas si elle sera très utile, parce que je crois que les vies se réinitialisent à chaque redémarrage du jeu. Donc là, en fait, on peut aller là. On monte sur la cheminée. Avec un flip-flap, on obtient une vie. Bonjour, je suis une vie supplémentaire. Donc le système de vie, oui, parce qu'à l'époque il y avait encore les systèmes de vie. Je crois qu'il a été abandonné à partir du deuxième épisode. Oui, il n'y a plus de vie dans Banjo-Tooie. Mais ça, on en parlera plus tard. Hein. Donc on va maintenant s'entraîner au combat. Banjo, il est temps pour toi d'utiliser tes poings. Comment? Apprends-moi. Appuie sur X en restant sur place ou en te déplacement doucement. Génial, sur qui puis-je cogner comme un barbare? Pourquoi pas sur ton sale piaf? Quoi? Approche un peu pour voir. Je plaisantais, cherchons quelqu'un d'autre. Ah, voilà Topper. Allez, Banjo, tue! Vas-y, tue, c'est un ordre! Mon dieu, cette carotte, elle me regarde. Ah, loupé. Meurs. Donc le coup de poing qui ne sert qu'on n'utilisera jamais, hein, je vous le dis. J'ai pas lu. Et moi aussi, je veux faire des trucs et des machins. Donc là, encore un petit coup de poing. Et c'est maintenant la roulade de la mort. Je veux apprendre à voler. Cours et appuie sur X pour faire une roulade. Entraîne-toi sur Ball. Donc Ball qui est un... C'est quoi, c'est une échalote, je crois. Oui, je pense. Non, c'est pas une échalote, c'est un oignon. Non, je sais pas trop en fait. Pends les dents. Arrête de rouler. Je vais vomir. Merde, loupé. Donc voilà, la roulade, on l'utilisera plus souvent que le coup de poing. Hein. Franchement, on l'utilisera presque pas dans le jeu. C'est maintenant le tour de ta volaille. D'apprendre quelque chose. J'espère pour toi que ça en vaut la peine. Saute et appuie sur X pour faire l'attaque coup de bec. Mais où est donc Coli? Coliboli ou je sais pas trop quoi, j'ai passé un petit peu trop et c'est en fait un chou-fleur. Oh mon dieu, un chou-fleur! Prends ça! Et donc en fait le coup de bec en fait ça fait exactement le même effet que le vol comme ça. Parce que ça allonge la longueur du saut quand même. Vous connaissez maintenant toutes les attaques de base. À la prochaine. Donc deuxième alvéole supplémentaire. Donc en fait dans la montagne perchée qui est donc en fait la zone de début de jeu. Donc là on a obtenu une alvéole. Je suis sucré et plein d'énergie. Donc en fait ça c'est de l'énergie à récupérer sur les ennemis. Ah, tu as besoin de ta copine à plumes pour l'attaque bousculbec. On commence à m'aimer à ce que je vois. Appuie longuement sur la gâchette droite ou gauche, puis appuie sur X pour l'attaque bousculbec. Donc bousculbec qui sera très utile parce qu'on peut casser des blocs comme ça, ou pas mal de petites choses. Donc en fait, on s'accroupit et bam. Tu vois, Banjo, elle est utile à quelque chose. Tu seras ma prochaine cible, gros bigleux. Et donc troisième petit alvéole. Donc là, on fait un petit tour de caméra. Donc, on peut pas encore grimper aux armes parce que ça, il faut qu'on l'apprenne aussi. Je tue ce magnifique chou-fleur. Et donc, Banjo, j'espère que tu n'as pas le vertige. Moi, ça va. Apprends-moi à voler. Plus tard, plus tard. Banjo, saute sur un arbre et utilise le stick analogique gauche pour grimper ou descendre. Et donc, voilà. Maintenant, on sait grimper. Donc, on va aller l'utiliser à l'endroit où il faut. Donc sur cet arbre ici. Et donc vous voyez au-dessus, il y a une alvéole. Essayez donc de grimper un peu partout. Donc maintenant, nous allons apprendre à nager. Ça te dirait de nager? Mais je vais être tout mouillé. Allez, Banjo, j'ai envie de me baigner. Parle, petit. Utilise le stick analogique gauche pour nager à la surface et appuie sur X pour plonger. Allez, essaie donc. Ça y est. Tu as appris tous les mouvements de base. Viens me voir au sommet de la montagne, perché. Donc voilà, donc là on a appris tous les mouvements de base. Donc logiquement, hein, si vous entrez et que vous n'avez pas encore parlé à Bottles avant, il pourra nager juste comme ça. C'est juste. Bottles en fait nous apprend en fait juste à plonger. C'est ça la vérité. Donc, nouvelle alvéole, il nous en manque une. Donc comme.
vous avez dû voir, il nous a dit que c'était les derniers mouvements. Donc, sous l'eau, on peut soit battre des pieds comme ça, soit on peut battre des ailes avec Kazooie, et on va en fait beaucoup plus vite. Et donc, voilà, en fait, la dernière alvéole, elle est là-bas. Il faut en fait faire une petite série de sauts. Ok, logiquement pas trop difficile. Voilà. Donc la dernière alvéole, vous voyez, elle se regroupe toutes. Et ça nous crée une nouvelle alvéole pour l'énergie maximum. Et donc là, juste là, il y a une vie supplémentaire qui est cachée. Et donc logiquement, il n'y a rien d'autre. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à part ça. Donc, maintenant que nous avons. Alors, je vais juste regarder un petit peu le temps, oui. Et bah, c'est très bien. Donc, on va monter tout en haut. Et donc, on va aller au château de Gruntilda. Ou l'antre. Je crois que c'est l'antre de Gruntilda, normalement. Donc, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et donc, voilà, Bottles. Bien joué, les poussins. Vous êtes prêts à découvrir l'antre de la sorcière. Tu parles? Par où va-t-on? Bon, mon bon. J'ai réparé le pont. Tu peux ainsi accéder à la tanière de Gruntilda. Merci, Bottles. Je serai à l'intérieur pour vous aider. Bonne chance. Et donc voilà, donc en fait, si on avait essayé d'y aller avant d'avoir récupéré les différents mouvements, en fait, le pont était détruit, en fait. Donc on ne pouvait pas passer. Et donc, voilà, nous sommes partis. On entre dans la tanière de Gruntilda. Et donc, petite cinématique où on voit Tutti emprisonné. Cette machine est une merveille. Je serai jeune et Tutti vieille. Laisse-moi partir, vieux machin. Mon frère va venir te botter les fesses. Mes monstres le feront souffrir. Dans mon repaire, il va périr. Vite, Lungo, appuie sur le bouton. J'en ai assez d'être un laidron. Oui, maîtresse, chérie. Mise en marche, c'est parti. Banjo, au secours! Et donc voilà, donc logiquement, vous voyez que Tutti va se faire absorber sa beauté. Le voilà, c'est parti, il mourra et moi je ris. Vous voyez, on commence direct, hein, on arrive, bam! Vous avez un magnifique tableau de Gruntilda. Et donc on va aller tout de suite à droite. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, ils vont me dire, mais non, fallait partir à gauche. Je veux le faire dans l'ordre, donc voilà. Voici le premier monde, la montagne de Mumbo. Tu dois trouver une pièce de puzzle pour ouvrir la porte. Cherche bien, elle ne doit pas être loin. Donc voilà, donc pour ouvrir les mondes, il va nous falloir des pièces de puzzle. Dans chaque monde, il y a 10 pièces de puzzle et la tanière de Gruntilda a aussi 10 pièces de puzzle. Et donc voici la toute première du jeu avec une animation que j'adore. Coucou, je suis une pièce de puzzle. Va vite chercher un tableau avec une pièce manquante. Et donc voilà, donc nous avons notre toute première pièce de puzzle. Et donc, on va pouvoir aller ouvrir le tout premier monde et on s'arrêtera juste avant. Parce que on commencera le monde, la montagne de Mumbo dans la prochaine vidéo. Donc, voilà comment ça fonctionne. En fait, dans la tanière de Gruntilda, on trouvera des tableaux comme ça, avec des pièces manquantes. Et en montant en fait sur le piédestal juste en face, on pourra en fait accéder à cet affichage-là et en fait, on pourra placer en fait nos pièces de puzzle. On a la première pièce, gros naze. Très bien, donc là en fait je pense que je vais même pas lire. Donc là en fait il nous explique que si on a envie de quitter, on appuie sur B, et si on a envie de placer une pièce de puzzle, on appuie sur A. Ça y est, le tableau est réparé et la porte de la montagne de Mumbo est ouverte. Voilà, là, vous voyez, quand elle parle, Gruntilda, parce qu'elle va souvent parler quand on se baladera dans la tanière, je lirai pas forcément ce qu'elle met. Donc voilà, donc, je pense que c'est ici que nous allons arrêter ce premier épisode
du let's play de Banjo-Kazooie. J'espère qu'il vous aura plu. A plus et à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!